soutien financier qu'il donne à l'Écofert, et ça, je voulais absolument commencer ma présentation d'aujourd'hui en le soulignant. Tout au long de cette controverse entourant l'Écofert, entourant la venue de la classe à l'Écofert, un des arguments principaux qu'on a entendu du côté des autorités locales, c'était en fait que l'Écofert était censé être un festival, disons, à nature environnementale et non à nature politique, et que la présence de la classe, au fond, venait détourner la mission fondamentale de l'Écofert pour laquelle elle avait au départ obtenu du financement public. Cet argument-là est plutôt curieux de la part des autorités, parce qu'il repose, quand on y pense bien, sur la conviction selon laquelle les dossiers environnementaux sont absolument séparés et n'ont rien à voir avec les questions de justice sociale, avec les questions de la gestion de nos services publics, au fond. Et ça tombe bien, parce que dans notre manifeste que nous avons lancé le 12 juillet dernier, c'est précisément à cette vision-là qu'on s'attaque, et c'est une vision inverse des problèmes environnementaux qu'on défend. Selon nous, il y a des liens très, très clairs entre les attaques qui sont faites à notre environnement et la hausse des frais de scolarité, la tarification et la privatisation de l'ensemble des services publics. Et c'est un peu de ça que je vais vouloir parler avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi les questions environnementales sont intimement liées aux questions de privatisation et de tarification des services publics. Donc, l'argument qu'on nous sert, c'est qu'en fait, il y a d'un côté le plan Nord, les gaz de schiste, toutes les attaques qui sont faites à l'environnement. De l'autre côté, il y a les mesures comme l'imposition d'une taxe santé, l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec, l'augmentation des frais de scolarité, et qu'entre ces deux choses-là, il n'y a aucun lien. Pourtant, c'est étrange parce que dans la réalité des faits, c'est l'inverse qu'on observe. Dans la réalité, ce qu'on observe, c'est que les partis politiques qui privatisent nos services publics sont exactement les mêmes que ceux qui mettent de l'avant des politiques qui sont destructrices pour l'environnement. On le voit très bien au niveau québécois, alors que le gouvernement Charest est à la fois responsable de la plus grande opération de pillage de nos ressources naturelles de notre histoire et de la plus grande opération de privatisation de nos services publics, en premier lieu, évidemment, l'augmentation des frais de scolarité. Mais on voit la même chose également au Canada, alors que le gouvernement de Stephen Harper, d'un côté, disons, élimine à peu près tout ce qui peut exister comme réglementation environnementale, et de l'autre, sabre dans les programmes sociaux, notamment, je sais qu'il y avait des gens de Katimavik qui me précédaient, ça a été une des victimes du gouvernement Harper. Alors, malgré l'argument qu'on entend, dans les faits, ce qu'on constate, c'est que les gens qui s'attaquent à notre environnement et à nos services publics, ce sont en fait les mêmes personnes. Et les gens qui soutiennent ces partis politiques-là, ce sont également les mêmes. On pense aux grands lobbies du monde des affaires, on pense aux grandes corporations qui supportent ces politiques-là régressives à la fois pour le bien-être des populations et pour l'environnement. Ce qui réunit ces différentes causes-là, ce qui permet de faire le lien entre ces différentes attaques-là, ce qui permet de faire le lien également entre ces gens-là, entre ces partis politiques-là, c'est une idéologie qu'ils partagent. Et ça, à la classe, on l'appelle, on n'est pas les seuls à l'appeler comme ça, mais on l'appelle le néolibéralisme. Et c'est à cette vision-là de la société qu'on s'attaque dans le manifeste qui s'appelle « Nous sommes à venir », que je vois plusieurs d'entre vous en ont entre les mains. Et donc, depuis les dernières décennies, ce à quoi on assiste au Québec, au fond, c'est à une privatisation massive du bien commun. Et le bien commun, souvent, quand on entend ce mot-là, on pense à nos rivières, on pense à nos forêts, à nos ressources minières, à nos ressources naturelles, et c'est important parce que ça fait partie du bien commun. Mais le bien commun aussi, pour nous, en tout cas à la classe, c'est aussi les institutions publiques qui nous permettent d'exister ensemble. Je pense évidemment au système d'éducation publique, au système de santé. Le bien commun, c'est pas seulement notre environnement, c'est aussi nos hôpitaux, nos écoles, nos garderies, même nos routes, qui font partie de ce qui nous permet d'exister comme collectivité et pas seulement comme individu. Et dans le manifeste, ce qu'on critique, c'est précisément l'érosion, en tout cas la vente à petit feu de tout ce qui fait partie du bien commun québécois. Et cette vente-là du bien commun, c'est pas un mauvais tour que nous joue le bon Dieu, ça vient d'une minorité de personnes qui, malheureusement, s'est emparée de nos institutions politiques et économiques. C'est pas
je n'invente rien en disant ça, c'est bien connu. De nos jours, il y a une proximité extrêmement importante entre les pouvoirs politiques et le milieu des affaires. Et je pense que c'est un des éléments qui nous permet de faire le lien, justement, entre le débat sur la hausse des frais de scolarité et les questions environnementales. Je vais donner un exemple. En 2010, le 6 décembre 2010, il y a eu à Québec une consultation d'organiser. En fait, ce n'était pas une consultation, mais bon, on l'appelait consultation du côté des libéraux. On avait invité essentiellement ce qu'on appelle les partenaires universitaires, les associations étudiantes, les organisations syndicales, les organisations de la société civile et toute une autre série d'intervenants dans cette rencontre. La rencontre, essentiellement, était divisée en deux camps. Il y avait le camp en faveur de la hausse des frais de scolarité, il y avait le camp en défaveur de la hausse des frais de scolarité. Du côté des gens qui étaient pour la hausse, la liste était assez courte. En fait, il y avait seulement deux groupes, ou trois. Il y avait les recteurs et les rectrices, les gens qui dirigent les universités, qui sont d'ailleurs, de nos jours, là, généralement des businessmen et non plus des gens issus du milieu universitaire. Et il y avait également le milieu des affaires, donc le Conseil du patronat, la Fédération des chambres de commerce du Québec et tutti quanti, là, toutes les organisations patronales du Québec. Et il y avait aussi évidemment le gouvernement qui était en faveur de la hausse des frais de scolarité. De l'autre côté, il y avait à peu près